Oh, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Ici notre pays, grand Dieu de la tradition, que le Créateur humain de nos ancêtres nous accorde la santé et la vie. Une bonne santé de fer et une longue vie. Ici notre pays, grand Dieu de la tradition, avocat des femmes. Bienvenue sur votre chaîne Soca pour les femmes. N'oubliez pas de partager massivement la vidéo, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et surtout, abonnez-vous. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur votre chaîne Soca pour les femmes. Prenez votre petit carnet. Écrivez. Mesdames, je vais vous donner quelque chose de très très efficace pour clouer votre mari à la maison. Ça, c'est pour faire l'homme rester tranquille. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas vous laisser. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous allez chercher une bougie blanche. Une bougie blanche, n'importe quelle bougie blanche. Et une bobine de fil blanche, de fil à coude. Vous voyez le fil à coude. Maintenant, vous êtes là, vous avez votre bougie. Peu importe le jour, vous avez votre bougie là. Et vous avez votre rouleau de fil blanc là. Maintenant, vous attendez que votre mari est endormi. Pendant qu'il dort, vous prenez le fil et la bobine de fil, vous faites sortir un bout de fil dedans et vous allez mesurer la longueur du pied, le pied gauche de votre mari. C'est-à-dire du plat du pied jusqu'au plus grand orteil. Vous allez mesurer. Et quand vous avez la mesure, vous cassez le fil. Faites ça et c'est fini. Maintenant, vous prenez votre bobine de fil, ce morceau de fil là et la bougie. Vous pouvez aller dans la cuisine ou dans la salle à manger. Mais n'allez pas dans les toilettes. Cuisine ou salle à manger. Vous pouvez faire ça le soir même ou si vous ne pouvez pas le faire le soir même, vous pouvez le faire le lendemain. Mais si vous faites le lendemain, ne faites pas ça la journée. On ne fait pas ça la journée, c'est la nuit, ça se fait. Donc, admettons, le soir même, vous allez dans la salle ou dans la cuisine. Le fil que vous avez pris la longueur de son pied gauche, vous allez au niveau du milieu de la bougie, vous allez l'enrouler une fois, deux fois, trois fois, et vous allez faire un nœud et vous allez dire ce que vous souhaitez, comment vous souhaitez qu'il soit avec vous et vous. Vous faites en sorte, vous attachez, vous faites un deuxième nœud. Vous faites en sorte, vous attachez, vous faites un troisième nœud. Jusqu'à ce que, avoir fait sept nœuds, vous faites sept jours de la semaine. Quand vous avez fini, vous laissez le fil dessus. Vous prenez le reste du bobine de fil blanche. Et vous allez attacher, enrouler le fil sur la bouche. Tout en parlant. Demandez tout ce que vous souhaitez, comment vous voulez qu'il soit avec vous, tout ce que vous souhaitez, vous n'avez qu'à parler seulement. Vous parlez. Tout ce que vous souhaitez, comment vous voulez qu'il soit, vous le dites. Parlez seulement. Vous parlez, vous enroulez. Et quand vous sentez fatigué, faut pas que ça vous pour finir le fil, c'est quand vous sentez fatigué, c'est que l'énergie, c'est bon. L'énergie que vous devriez dépenser sur ce travail-là, c'est suffisant. Donc là, vous arrêtez, vous cassez le fil. Et vous essayez de l'attacher une fois, là où là encore, deux fois, là où là encore, trois fois, et vous laissez. Maintenant, vous déposez votre bougie, vous le cachez quelque part, la bobine de fil, vous n'avez plus besoin, vous pouvez le ranger pour d'autres fins utiles. Maintenant, cette bougie-là, soit, mais ça c'est, je ne vais pas vous faire mettre ça là parce que si vous avez un matelas, on peut couper un petit peu le matelas pour le faire rentrer dedans. Mais ça, les gens se font toujours attraper par cette histoire-là. Donc, c'est la version où que vous n'allez pas vous faire attraper et que ça marche efficacement que je vais vous expliquer ici. Vous allez chercher où il y a un rosier, c'est-à-dire où il y a des roses qui poussent. Si vous avez un pot de fleurs, et c'est peu importe la couleur des roses,
vous prenez la bougie, la mèche, vous le mettez de bas en, de tête en bas, et vous le faites rentrer dans le pot de fleurs. Maintenant, si vous avez la possibilité, il y a un endroit, si, je ne sais pas moi, c'est un jardin ou autre, vous le faites rentrer dedans. Ça, c'est le lendemain. Ça, vous pouvez le faire la journée pour faire la bougie rentrer dans le pot de fleurs. Et en le faisant entrer, vous dites son nom 7 fois et vous dites, telle personne, tu seras à moi pour la vie. Et vous laissez ça là, vous bouchez avec un peu de terre et c'est fini. Maintenant, si c'est dans un pot de fleurs, vous pouvez arroser vos pots de fleurs tranquillement, s'il faut acheter un peu de terre, vous laissez ça là, si c'est à la maison, c'est à la maison. Ça là, il n'y a pas échappatoire dans cette histoire là. Ça, c'est la personne qui est verrouillée. Net, clair, précis. C'est verrouillé. Nous sommes sur la page Secret pour les femmes. Mesdames, c'est votre avocat. Nous allons mettre les choses dans d'autres niveaux. Comme il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus malins que quelqu'un, on va leur montrer ça ici, que si nous sommes sous la chaîne Secret pour les femmes, que nous sommes là pour sortir la vraie tradition, qu'on ne vote rien qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas. Prenez soin de vous et restons tous en vie au nom du Créateur pour voir le même.